Allez, on perd pas de temps, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve avec le Maya Zora après un petit souci de capture d'écran. On est reparti avec. Heureusement, on l'a pas perdu, on est toujours au même endroit. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je fais juste un petit truc et je suis à vous. Voilà. C'est bon. Allez, goal tester, goal découvrir. Donc du coup, ce que je disais précédemment, parce que du coup le live n'existe plus. Donc voilà le petit Maya Zora qui est disponible en test sur les serveurs hors testing. Ok. On a beaucoup de ping. C'est génial. Et on peut le faire déplacer en bipède, comme vous le voyez là. Ou quadripède. Voilà, voilà. Alors, je m'étais arrêté là précédemment parce que ici... Et bah j'avais de la diète, je dis bien j'avais. Parce que je n'ai plus. Et bah on va aller direction... direction là. Là-bas, j'ai plus le mot. La migration, voilà. Alors oui, il y a des plantes autour de moi, mais c'est pas de la diète, alors je vais pas en bouffer. Ah, on est bien au marécage, hein. On va boire un coup. On est nombreux, on est complet. J'aimerais bien tomber sur une famille de Maya, c'est sûr, il y en a, sûr et certain. Il est arrivé hier. On a perdu pas mal de bouffe, hein, en le temps où j'ai galéré à récupérer le screen. Bon, la migration, il y a peut-être des chances que je tombe sur des Mayas. Faire le con, je peux pas grimper ça. Hein, quoique. Il y a de l'herbe, alors ça c'est un signe où... Voilà, ça se grimpe. Ah, bah ça c'était un Maya, ça aussi je crois. Ouais, bah, mort de chute. Je peux pas aller plus haut. Ah, je peux pas aller plus haut.
Bon, bah, on descend. On va se barrer d'ici parce que bah, y a une carcasse. Allez, on se barre. Ah, je la sens, la viande. Alors forcément, hein, je ne connais pas le cri du Maya. Donc, il va falloir reconnaître les cols. Rapidement, il va falloir les reconnaître pour savoir si c'est des Mayas ou pas. Ok, on est à la migration. Il y a une rivière juste là. Une fois à manger. Ah, ils ont mis les gastrolytes. Ça, c'est nouveau, ça. Ça fait rien du tout. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Parce que ça, c'est nouveau, les gastrolytes. Ça, c'est arrivé avec le Maya. Mais quel intérêt des gastrolytes, je ne sais pas. Alors une fois posé, ouais, il y a des gastroïdes partout. Une fois posé en m'ayant été nourri, parce que là j'ai besoin de me nourrir. Vu comment est mon état de l'estomac, on parlera un peu de ce dino. J'ai rien. Putain, fait chier que j'ai eu un problème d'écran tout à l'heure. J'étais trop bien, j'avais du S, du 2 points. Pousse un cri, mais pas sûr qu'on m'entende avec la pluie. Oh si, il y en a un. Vous l'avez entendu? Ça, c'est un Maya, ça, qui a gueulé. Il est où? Merde, il est où? Oh, du S. Ah, il est devant, vous l'entendez? Oh, plusieurs. Il y a un groupe de Maya.
Là, regardez! Terrible! Yo, petit bébé! Ah, putain! Mon clavier! Mon clavier! Mon clavier! Ah, je vais vraiment devoir aller en acheter un cet après-midi. Quelle grosse merde ce clavier. Alors, j'ai tapé le G, le I. Alors, si vous entendez taper, c'est moi qui fracasse le clavier. Et merci pour le follow. Ah, je vous jure, mon clavier, il me rend ouf. Attends. Attends, parce que j'ai faim, moi. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il est trop beau, le Maya. Franchement, il est vraiment beau. Ah, voilà, des roots. Ok, on mange des racines. Est-ce que j'ai besoin de cette vision nocturne? Oui, encore un peu. Oh, le cri, il est magnifique. On est bien. Donc oui, hein, comme vous avez pu voir, on peut se balader en quadripode, comme moi je suis. Ah non, bah non, moi je suis en théropode. En fait, j'ai sans le vouloir. Bah, on peut être en théropode comme ils sont les autres. Et quadri. Donc, être à quatre pattes. On va enlever, en effet, non, la vision nocturne. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop clair. Il y a des Mayas partout. C'est que des Mayas qu'on entend. Risqué, hein. À tout moment, je me fais choper par un croco. Je sais pas si lui, adulte, se fait grab par le croco. Parce qu'il est quand même balèze, adulte, hein. Bon, logiquement, le T-Rex est le prochain à arriver, hein. Il y en a un là. J'allais traverser, mais il y en a un là. Oh, ça fait que de gueuler. Stylé de ouf. En face. Là-bas, j'ai vu bouger, non? Ils sont pas loin, vu comment je les entends gueuler. Tiens, bah regardez où est-ce qu'il est le groupe. Ils sont là. Quoi, il court à deux pattes.
Non, c'est moi. Et il y a tout un groupe de grands là. C'est stylé, hein? Donc voilà le dino qui vient d'arriver en. Pour l'instant, il est hors testing. Ah, il est magnifique, hein. Je pense que ce sont des. Alors, sauf le petit là, mais je pense que ce sont des adultes, les autres. Il m'invite. Ouais, je suis parti. Ouais, il est beau lui, sa couleur elle est magnifique. Je me suis pas fait chier, hein. Je vous avoue, j'ai pas fait de couleur. J'ai laissé tel quel mon Maya, c'est une femelle. Il y a encore un petit quoi. Putain, mais il y en a partout. Ah ouais, non, il y a full groupe Maya là. C'est cool, hein, c'est vraiment cool qu'il nous l'ait mis là avant la fin de l'année. C'est bien, ça fait toujours un dino en plus. Ah moi je suis un grand fan des Hadrosaures, alors du coup lui forcément. Forcément, je suis content qu'on ait le Maya. C'est quand même un dino emblématique. On entend beaucoup parler de dans ces dernières depuis ces dernières années. Ah, il y en a encore un qui traverse. Regardez, c'est un Maya. Oui, c'est un Maya qui traverse. Putain, mais regardez la famille qu'on est. Il y en a un qui est au bout. S'il se met devant mon écran. Il est beau, mais quand même. On est toujours petit, hein. Ah. Là, c'est le clan des petits, ça. Et on a l'air d'avoir trois adultes, hein. Il y en a encore un là-bas. Bah, il y en a qui demandent combien on peut être max en Maya. Je suis pas sûr qu'il y ait des règles ici, hein. C'est que du test, hein. Si on veut faire un troupeau. Allez, on bouge. Magnifique. Imaginez des troupeaux de Maya à faire des nids et avoir une blinde de nids et de nests de Maya. Ça peut être tellement dingue. C'est la mère dino, je sais plus comment c'est la définition, je vous la donnerai. Mais il y a un truc avec la mère. Que je crois que le fossile a été retrouvé parmi des nids de son espèce, hein, justement. Ce qui expliquerait pourquoi ce dino porte ce nom. Ok, on court à 50 km/h, c'est ce qu'il dit. Ouais, on court quand même assez vite, hein. De toute façon, une chose est sûre, c'est que le groupe va devoir bouffer et va devoir garder la diète. Donc, ils vont forcément aller vers des coins de diète. Attendez, mais il y a encore des Mayas là?
Ah mais ça se tape. Moi je suis trop petit hein, pour ces conneries là. Ah ouais, c'est en train de se taper. Il doit y avoir des Mayas de merde. Et il met des coups de patte avant. Ça gueule au loin encore. C'est un truc de ouf. Ah là, vous voulez du Maya, on est servi. Hein. Il y a full. Hein. Ah oui, il y a des morts. Il y en a un qui est mort par terre. Qui lui? Non, c'est pas de chez nous ça. Oh bah ils les ont fumés. Je crois que c'était. Il disait cannibale, alors je sais pas trop. Parce qu'il n'y a pas de cannibalisme entre herbivores, donc. On perd notre diète très vite quand même. Ok. Ah, il y a encore un Maya au loin. Ok, Cuffin se barre. Il y a un Maya derrière. Ok, par contre, attention, on est très lent à se relever, je trouve. Donc, ce qui veut dire que quand t'es carnivore, si tu veux bouffer du Maya, et bah, surveille qui se couche. Parce que. Il met un temps à se relever, je trouve. Et là, tu peux avoir le dessus, là. Tu peux lui faire mal. Ok, carnivore. Je crois que c'est fini, il y en a encore en fait, il y a du Maya partout. Ouais, mais ça me maintient que le bas de l'estomac, ça. T'en empêche, côté croco, là, tu te ferais plaisir.
fais gaffe, ils sont en train de tester les attaques là, ils sont pas, ils se tapent pas dessus. Ouais, parce qu'il y a du stomp. Enfin, même moi, hein. Je connais pas encore les attaques de ce dino. Hein. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas de diète. Ah, il y a des tout petits dinos là.